Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un cache-cache-gage. En fait, faut savoir que là, cette vidéo n'était pas du tout prévue quand même à la base, hein, non. On est parti en week-end entre amis à la base et on est actuellement dans la maison d'un couple d'amis à la campagne, dans une maison dans laquelle ils n'habitent pas encore complètement. C'est en cours de rénovation. Exactement. Et hier, en fait, faut savoir une information importante. Amandine et moi, on a entendu un PVE ici. Oh, oui. Et ça, sans matériel. Sans matériel. On était à côté dans la pièce. C'est une pièce avec un piano et plusieurs affaires. On cherchait des affaires parce qu'en fait, on vous a fait un court métrage d'horreur. Exactement. Et du coup, on a cherché un petit peu des affaires qui pourraient allier avec ce court métrage. Et je pense qu'on a un peu dérangé en fouillant partout parce qu'on a eu un... Oh, ouais, vraiment un bruit trop bizarre, ouais. Mais on sentait que c'était masculin quand même. Ah oui, c'était rouge. On avait l'impression de gêner en fait. Voilà. Donc clairement depuis, bon, on est resté sage depuis hier, voilà, puis on a laissé passer une journée. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée en fait de faire ce cache-cache. On s'est dit, si déjà on commence à avoir un petit peu peur de la maison, allez, donnons des frissons. Ça donne une nouvelle connotation au cache-cache, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Et donc on a prévu pour que la première personne qui se fasse trouver dans ce cache-cache, on a prévu des gages autant un petit peu effrayants à réaliser. Autant drôle. Faut savoir qu'Amandine et moi on fait pas mal d'enquêtes, de choses comme ça, mais on est toujours à deux la plupart du temps, surtout dans des endroits extérieurs à chez nous, hein, je veux dire. On est d'accord. Et là on a prévu des gages qui, je pense, vont vous intéresser et nous vont bien nous faire flipper. Oh, oui. Clairement. Voilà. Cette partie va se dérouler entre Amandine et moi et mon copain qui tient actuellement la caméra. Et vous aurez toujours une vue directe, en tout cas sur Amandine et moi. Voilà. Tout partager les émotions. Autant pour la personne qui cherche que la personne qui sera cherchée. Oui. Et pour la personne qui fera le gage. C'est ça. C'est parti. Allez, go. Go. Ok. C'est parti. Allez, on a noté les initiales de nos trois noms sur ces petits bouts de papier. Est-ce que tu veux tirer au sort, Amandine? Oh mon dieu. Je vais me tirer moi encore. C'est pour savoir qui va chercher. La personne, ouais, c'est celle qui va chercher, on est d'accord. Oui. Tadadam. C'est toi. Ah. Ça tombe sur JF. Non. Bon, et ben je vais être seule. Bon courage. Hein. Mmh. Je suis contente que c'est pas moi. Ah non. Allez, oh non. Je suis dans une salle de bain. Je suis en train d'attendre depuis avant. Je laisse passer quelques minutes pour qu'ils aient bien le temps de se cacher. J'ai chantouillé un petit peu là pour pas les entendre, pour pas savoir où est-ce qu'ils vont dans la maison. Je vais bientôt aller les chercher. J'espère que vous êtes tous cachés. Je suis sortie de ma cachette. Je vous le dis, le premier gage, il est pour moi. Je suis cachée sous un lit, j'ai trop peur. C'est très calme ici, donc. Je connais pas cette maison. Putain. Quelle merde. Ça fait très peur, ce mannequin. Qu'est-ce que je vois là? Des traces de mains sur le miroir. Ah bon? Il y a des traces de mains là. Oui, il y a personne. Putain! Il y a des traces comme ça. Ok, d'accord. Il y a une forme dans le lit là, vous foutez de ma gueule? Ah non, c'est un coussin. Pas du tout. Ok. Oh. Dans cette chambre. J'arrive. Oh.
Il n'y a personne ici. Je vais d'avoir monté. Amandine, je sais que tu es là. Est-ce que tu es dans la pièce au Malice? Il y a l'armoire ouverte. Je suis venue d'abord ici parce que j'avais trop peur de fouiller la pièce au piano. J'ai entendu quelqu'un ou pas? Amandine. Est-ce que tu es là? Oh. Pardon. Oh. Oh putain, elle est pas là. Poufias, tu te caches où? Oh. Amandine, je viens te chercher. Où es-tu, mon enfant? Dans l'autre pièce. Et tu sais que quand j'ai réalisé que t'étais pas dans l'autre pièce, je me suis sentie très seule au monde. C'était horrible. Je savais pas où aller, c'était normal. Oh mon dieu. J'ai plus avec plein de capelas. Mais Amandine, tu sais que j'ai entendu un bruit dans la chambre où je croyais que t'étais en fait. Donc moi, en fait, ça je vais le revoir dans la... Je sais pas. En fait, j'ai pas osé aller toute seule dans la pièce au piano. Alors je suis montée. Les gens, ils ont pas vu, je me disais, je me cachais rien. Ils ont pas capté comment il était là. Et en fait, Amandine, je te jure, on le verra dans la vidéo, j'espère, mais on le verra de toute façon à ma réaction et tout. Mais genre, quand je suis rentrée dans l'autre pièce, moi je pensais que t'étais là parce que j'ai entendu le bruit, j'ai fait ah. Et en fait, t'étais pas du tout là. Hein. Mais c'est horrible. Et franchement, en force de pas te trouver, j'ai commencé à paniquer. Je me suis fait, mais en fait, je suis sortie de la pièce parce que je me sentais très seule là. Oh mon dieu. Ça a mis du temps à venir. Et à un moment, je dis, je crois qu'elle ment. J'avais très peur, je te jure. J'ai eu peur toute seule en fait là. Mais oui, non mais ça va, c'est pas la pire. Je trouve que cette pièce, elle est rassurante mais comparée au reste de la maison. Je suis venue là parce que c'est la plus rassurante. Ah, elle est con. J'ai trop peur de me cacher ailleurs. Et j'avais pas le fait qu'il y avait plein de caplas ici, bordel. Et du coup, je te jure, j'avais un capla dans les fesses et tout, c'est normal. Il fallait pas que je fasse de bruit, il fallait pas que je bouge, c'est normal. Oh mon dieu. Et bon bah, Amandine, tu sais ce que ça veut dire, ça? Non. En plus, si. j'ai dit, je suis sûre que ça va être moi la première à ouvrir. Je le savais. Je vais trouver Alix en deuxième, ça veut dire que t'as un gage après. Ouais, c'est sûr. Allez, faut chercher Alix. Allez, courage. Je sais pas, je crois qu'il est en bas, mais j'ai pas osé aller dans la pièce au piano, je l'ai pas entendu. Franchement, je sais pas. Après, j'ai chanté dans la pièce et tout, j'ai sifflé, j'ai chanté pour pas entendre les directions.
Mais comme pour moi, il n'y avait personne dans la chambre ici. Et je te jure que j'ai entendu un bruit ici quand je suis allée. Il n'a pas une cachette secrète d'habitude? Bah... Où il va? Je sais pas. T'as cherché partout là-haut, tu vas me dire? Bah ouais. T'es sûre de toi? Et là-haut, il est pas monté? Mais non, je crois que Grognon n'y va pas pour le truc, non? Je sais pas. T'es sûre qu'il est pas dans les couloirs? Mais j'ai pas fouillé en bas dans la pièce au piano, Amandine. Arrête. Oh. Voilà, hein. Oui, j'ai peur. J'ai peur. C'est vrai que la maison, elle fait flipper, là, franchement. Alice. Alice. C'est que tu es là. Ah. Attends. Alex. Oh non, il est pas là. Je sens qu'il est là derrière. Putain, j'ai trop les nerfs. Je sais pas, il y a moyen d'aller là derrière, je le sais. Mais j'ai trop de matériel en main, j'arrive pas. Tu crois vraiment qu'il sera allé derrière? Ouais. T'es là, Alix? On sait que t'es derrière, c'est bon. Si t'es derrière, tu dois sortir maintenant. Ça compte, hein, si je sais où t'es. T'es là derrière? Il est pas là, hein. Il est pas là? Non, je crois pas. Aïe. Non. Et bien, il peut pas aller derrière, là, c'est pas possible. Hein. Si. Mais non, arrête. C'est pas possible, Julien. Alix. Non, il est pas là, il est pas là. Il doit être là-haut. Je pense qu'il est là-haut. C'est le pire cache-cache quand même. Oh. Surtout quand on ne connaît pas. Moi, personnellement, je connais pas la maison. Alors, ça me fait trop flipper. Il y a eu un bruit là. Ouais. Regarde, regarde, je croyais trop qu'il s'était simplement foutu là-dedans. Mais en fait, non, c'est un coussin. Oh oui, on dirait trop. C'est un coussin. C'est... Mais en fait, il est peut-être à la cave, Amandine. Moi, j'ai regardé là-dedans, t'es sûr, hein? Ouais, ici, j'ai fouillé. Regarde, viens voir un truc, Amandine, viens voir. Il y a plein de traces de mains là-dessus. Je croyais qu'il s'était caché là-dedans. Ah ouais. Regarde. Ah ouais. C'est bizarre, hein? Ouais, effectivement, ouais. T'as vu là? Ouais, effectivement. Ça, c'est là-haut, ça. Ça met de là-haut. T'es sûr? Il a tapé d'en haut? J'arrive pas à savoir s'il a tapé d'en haut ou d'en bas. J'ai entendu de là, ici, alors je sais pas si c'est là-haut. Il a fait un bruit, on parle en même temps à chaque fois. Refait. Ah, il est là-haut. T'es sûr? Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'entendre là-haut, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, c'est là-haut. Oh mon dieu. Ah, c'est là-haut, il fait peur, hein. Vas-y, mais j'ai pas envie d'y aller, c'est quoi ce putain de bruit de démon? Mais je l'ai loupé et je suis sûre, Amandine, je suis passée à côté de lui dans la pièce, là. Comme ça m'énerve. C'est les toilettes, là, y'a pas? Mais non. Oh putain, j'ai... Quoi? Putain. Quoi? Mais rien, c'est le truc de derrière toi, j'ai cru que c'était un visage, j'ai trop peur. Putain, Amandine, fais pas des trucs comme ça. Mais je vois même pas de quoi tu parles, y'a une lampe. Mais ouais, mais je sais pas, ça m'a fait un sort de visage là quand tu t'es retournée, je sais pas comment expliquer, c'était horrible. Et Alix était dans cette pièce, on avait dit pas dans cette pièce, hein. Non, il est pas dans cette pièce, je crois pas. Maintenant, fais plus de bruit maintenant qu'on est là. Mais il était pas avec toi dans la pièce, hein, Amandine. Va rentrer dans l'armoire là en face, regarde celle-là là. Maintenant, elle est condamnée. T'es sûre? Bah, il y a un meuble devant et tout, je sais pas, c'est bizarre. Et celle du fond là? Celle-là? Mais il y a des trucs devant, comment il aurait fait pour remettre ça là? Je sais pas, il est fort. Hein. Mmh. Ah, ça c'est ouvert, c'était pas ouvert avant là. C'est vrai? Il est mais là. Comment il aurait pu remettre le meuble là? Je sais pas, mais non, c'est lourd, Amandine, il peut pas faire ça. Si, si. Oh mon dieu, ça fait peur de filmer comme ça. Il est et encore, il y a une cachette derrière. Il est dans la tringle là. Quoi? Il est dans la tringle en bas, je suis sûre. Oh, oh mon dieu! Tu fais chier! Eh, mais je peux savoir comment t'as réussi à remettre le meuble devant toi au juste? Il est fort, hein? Ah, il est fort! Comment t'as remis ce gros meuble là, super lourd là devant? Tu peux m'expliquer? Putain, je comprends pas. C'est pas moi qui ai fait la peinture. Comment? Aïe! Je sais pas. Mais... Comment t'as fait? Genre, sérieux? Comment t'as fait? Comme ça. Putain! Il faut que je cherche autre, il n'y a pas le choix. Putain! Parce que là, je vois quoi dans la salle? Je passe devant parce que je vois que d'avant. Ouais, vas-y. Ou je change de là. Bah, je te donne la mienne, hein. On échange, vu que c'est toi qui vas faire le gage, de toute façon. Alors maintenant, on va descendre. C'est vrai que c'est moi qui fais le gage. Merde, d'ailleurs.
C'est l'heure de tirer. Oh mon dieu. Bon bah voilà, ça y est, donc j'ai perdu. On va maintenant donner le petit bol à Amandine. Allez, c'est à mon tour. T'es prête? Allez. Quel va être mon gage? Tiens, tu me l'ouvres s'il te plaît? Ouais, je vais te le lire. J'ai trop peur. Je vais te lire. Pitié, mais que ce soit un truc drôle. Ouais, t'aurais de la chance. Je vais te lire ta sentence. Oh non. Deux minutes toute seule dans la chaufferie. Oh non. C'est pas vrai, dans la chaufferie. Ah, je tape la pire. Non, pas la pire, c'est le grenier, Amandine. Ouais. Ouais. Hein, je sais pas, hein, je prends plus. Je préfère le grenier que le chaufferie. Hein. Oh non. C'est le grenier le pire. La chaufferie de Freddy Krueger. Oh non, c'est parti. Allez. On va te laisser avec une lumière vite fait et encore. Ouais. Bah oui, il faut qu'on te voie faire le gage. Bah ouais, allez, c'est parti. Oh mon dieu. On t'accompagne hein, jusqu'à la chaufferie, Amandine. Regardez comme ça fait peur. Vas-y. Quelle vue de film et d'horreur. Ah, c'est une horreur. Ouais. Franchement, ouais. C'est un endroit que moi, je connais pas personnellement, tu vois. C'est le pire dégage. Hein. Je suis désolée, c'est le pire. Oh, non, je regarde la. Et voilà. Je vais être enfermée là-dedans. Oui. Mon pire cauchemar. Et nous, quand seul, c'est seul, hein. Ça veut dire que nous on remonte hein. Il faut que tu éteignes la lumière, comme ça on a la réaction de ta voix. Non, on veut voir sa tête comme. Chaud aussi, hein. Ça va exploser hein. Attends, faut que je mette. Ah mon dieu, il y a toi d'araignée. On t'enferme. Vas-y. Attends, faut que je mette dans l'autre sens. Voilà, ça y est, je suis dans la chaufferie, enfermée. Au revoir, mon dieu. Oh mon dieu, regardez, regardez. Regarde, je ferme. Non. Amandine, regarde, regarde, c'est trop drôle, regarde, Amandine, mets la main comme ça, ah mon dieu, regardez, fais la main comme ça, je remonte, courage, vous êtes dégueulasse, allez, mettez le chronomètre là, hein. C'est parti, allez, 30, je suis à 30 secondes, donc dans 2 minutes 30, je remonte, c'est parti. Voilà, donc en gros, je me tape cette chaufferie, 2 minutes toute seule, et je vous parie tout ce que vous voulez, qu'ils vont essayer de me faire peur. Je connais tout ça, je connais, je vous assure, je vous l'ai dit. Bah là, on va attendre ici. Hein. Donc là, en fait, mon but, c'est de ne pas regarder vers la fenêtre, parce que j'ai très peur de voir quelque chose ici. Donc voilà, donc en gros, la chaufferie derrière moi, il y a ça. Voilà. Ça. Allez, il me reste encore 1 minute 30. Moi, je dis c'est faisable. Moi, je dis c'est faisable. C'est comme ça qu'il faudrait que je batte. Allez. Encore 1 minute. En plus, il fait très chaud là-dedans. C'est quand même un truc de gaz, quoi. Enfin, une chaufferie, quoi. Je sais que vous êtes encore là! Je sais que vous êtes là! Je commence déjà à perdre la tête ici. Hein. Moi, je vous le dis. Oh, ça fait flipper quand même. Wow. Il me reste quelques secondes! Ah, moi, je vous le dis. Hein. Attention! Allez! 3, 2, 1, c'est fini! Oh mon dieu! Dites-moi que vous êtes là! Oh! Vas-y, vous êtes dégueulasse, hein! Ça, c'est mon pire cauchemar, ils le savent très bien! Hé! Vous êtes où là? Je dois vous chercher, ça y est, c'est à mon tour! Vous êtes chiant! Ah, je savais! Je le savais! C'est à cause d'Alix! Ah, je savais! C'est lui qui m'a emmené à Je savais! Il m'a coupé mon téléphone et tout, il est con! Je savais!
Bon ben voilà, ces saletés, ils m'ont fait peur. Ouais. Non, dans la chaufferie, ça va. J'ai pas eu peur. En fait, la vérité, j'ai plus eu peur après pour remonter. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était plus les escaliers, genre. Ah. Je me sentis vite, moi, j'ai pas. T'as pas été oppressée dans la chaufferie, si, ça. Quand même. Oh my god. Et en fait, bizarrement, je disais, je regarde pas vers là-bas. J'avais peur, en fait, que d'un coup, vous apparaissiez ou qu'il y ait une apparition vers, ouais, vers le rond, là. Du coup, je regardais que comme ça. Et je vas-y, dès que je suis à 35, je me casse, tu vois. Je pense que c'est bientôt, c'est la fin, je vais sortir. Mon Dieu. Voilà. Ça y est. Au moins, ça s'est éliminé comme gage. Bon, bah, on va pouvoir se cacher. Hein. C'est à mon tour de les chercher. Allez. Cette maison, je ne la connais pas du tout. Je connais pas les cachettes. Je ne sais pas où aller. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir en tout cas que je trouve toutes les bonnes cachettes où ils auraient pu aller. Voilà, où est-ce qu'ils vont aller? J'ai peut-être des idées déjà, mais on va voir. Allez, il me reste encore 10 secondes pour pouvoir monter et aller les chercher. On va y aller, c'est parti. Bon, accompagnez-moi parce que moi j'ai très très peur. J'arrive, les petits chouchous. Alors, ils sont où? Bon, on va déjà commencer par cette pièce, cette horrible pièce. Allez, est-ce qu'ils sont là? Je vais quand même regarder ici. Je sais que t'es là. Non, je pense qu'il pourrait pas rentrer là-dedans d'un côté. On va peut-être quand même regarder. Attends. Je sais pas s'ils sont vraiment là, mais je vais quand même chercher pour être sûr avant. Non, 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 c'est que des aspirateurs bizarres, ça. Donc là, il y a la maison. Une visue réelle, quoi. C'est vraiment ce truc là, à chaque fois je m'effraie. Non, c'est pas possible d'aller sous le lit. Non, c'est bien essayé. Ça, c'est très bien fait quand même. Ok, donc ils sont pas dans cette pièce. Vous êtes tout. Je suis la grand-mère en couche-culotte. Et je viens vous chercher. Oui, je te trouve. Non. Tu es là. Tu es là. Est-ce qu'ils sont là, ces enfants? De la chair fraîche. Elle est où, la chair fraîche? Ils sont où? Chair fraîche. Elle est où, la chair fraîche? On entend du bruit, là? Oh mon Dieu, c'est un téléphone. Ah, ça fait trop comme dans les films. Hein. C'est moche, c'est vraiment une sonnerie, c'est moche. Bon, déjà, je sais qu'il y en a là-haut. Tan 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 tan. C'est qui s'est fait niquer? Tan 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 tan. Où c'est qui s'est piqué? Où c'est qui? Moche. Oui. J'ai vu ses pieds, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Oui, si. C'est toi qui avais ton téléphone qui a sonné? Ah, c'est celui d'Alix, il l'a laissé là. Ah, il est moche, hein. Il a oublié là quand il faisait les travaux. Toi, engage, toi, engage. Il l'a pas trouvé? Non. Non. C'est moche, hein. Putain. Alix, tu es où? Oh, j'ai les boules. Non. Bon, allez, on va
chercher. Où est-ce qu'il est encore? J'ai trop les nerfs qu'on voyait mes pieds qui dépassaient. Je pensais trop à Amandine. Hein. Genre, vraiment, j'ai fait un coup la cachette, tu vois. Non, elle a pas j'étais en mode, vas-y, elle se doutera pas que je retourne à où elle était déjà. En plus, je me suis encore pourrée dans le bordel. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais trop peur qu'elle ait la balle dans la pièce là-bas, là. Je me suis dit, oh mon Dieu. J'ai pas osé y aller. Ouais, je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais. Non, pas dans les toilettes. Je vais regarder dans les toilettes. Où? J'ai regardé en bas. Toutes les pièces en bas? Ouais, quasiment. Y a plus celle-là? Bah ouais, je crois. Bah voilà, c'est vrai. Je sais que tu es là, Alix. Je veux pas faire un gage. Regarde mon armoire. Oh mon Dieu. Ouais, c'est un... il aime bien se filer, lui. Non. Là, ça a bougé ou quoi? Ah. Bon, alors, ça a juste pas été remis. Je touche. Ou alors, il est allé à la cave. Je suis pas allé à la cave encore. Mais je croyais qu'on faisait pas la cave. Ah ouais? Si, on l'a fait, je crois. Arrête. T'as fouillé où il est? Je sais pas. J'ai fouillé la chambre. J'ai fouillé le salon. Ah non, j'ai pas fouillé la pièce en bas. Celle-là? Ouais, je l'ai pas faite. Bah vas-y. Oh mon Dieu. Hey. On va bien regarder là, t'es sûr hein? J'ai peur. Hein? Y a un bruit? Je sais pas, j'entends pas. Oh putain! Ça, putain! Il manquait une marche. Alix, je sais que tu es là. C'est quoi cet accent? Alix! Comment elle est? Je. Ça va bouger là-bas aussi, là? Je sais pas. J'ai l'impression que tout bouge dans ma tête, là. Non, je sais pas s'il est vraiment là d'un côté. Attends. Ça fait peur ici, quand même. Ouais. Enfin, c'est pas que ça fait peur. Ah, c'est ouvert ici, t'as pas fermé avant ou quoi? Non, y a rien là. Ok. Non, là, y a rien, y a que de la vaisselle. Oh, mon Dieu. Il est là. Alix, t'es là? Et tu dois répondre si elle t'a trouvé. Hein. Mais ça a bougé, je te jure, ça a bougé là. Non. Oh mon Dieu, attends. Alors voyons voir, ici. Là, non c'est des pieds, ça, non? Ouais. Ah, Luc, tu as été trouvé. Je vous ai trouvé par les chaussures, Jacques. Eh, putain, elle est où? Ouais. Mais c'est vrai, hein? Ouais, je vous ai trouvé par les chaussures. T'es où? Eh, mais regarde, vraiment, il a galéré. Il a trouvé des sales cochettes. Il est rentré sous le tabouret, quoi. Non, j'ai un gage à mon dit. Tu vas avoir un truc bien, toi, tu vas voir. Arrête. Tu sais ce que je veux. Je sais ce que tu veux. Non, tu ne l'auras pas. Oh, je suis pas d'accord. Déjà, toi qui cherches après. Oh non. Lui, il se fait pas trouver, ce bâtard. Ah, il est trop fort. C'est lui qu'il faut trouver. Tu vois pourquoi on n'arrête pas de se trouver, nous? Ça s'arrête quand? Allez, je cherche le gage. Ah, attends, t'as pas mis celui-là de nouveau. Ah ouais, faut le remettre. C'est vrai. Oui, hein. Ouais, tu t'es calme tout de suite. Hein. Tu t'es calme. Ça retombe dessus, ce serait génial. Ah ouais? Ah, c'est même pas toi qui l'as mis là, vas-y, d'ailleurs. Vas-y, lis-moi ma sentence. Non. 3 minutes seule dans le grenier. Non! On a eu direct les pires. Hein. Non! En plus, c'est 3 minutes, c'est abusé. Ah, c'est trop long! Je suis choquée, hein. Non! Non! C'est exactement ce que je voulais pas!
Julia, elle s'est chopé le gage le plus horrible. Il faut qu'elle reste trop. C'est pas ce que je voulais. Tu voulais des gages gentils, hein. J'ai eu la chaufferie, t'as le grenier. On s'est tapé les pires, hein, direct. Il faut trouver Alix, j'en ai marre. Ouais, faut qu'on trouve Alix. Oh putain. Allez, c'est pas le pire, on t'accompagne. Je m'en vais vers ma 100 ans. Elle est fine. J'ai pas dit. Le grenier, je crois que c'est le pire, hein, franchement. Ah, moi aussi, je veux pas. Le grenier. Et je peux pas avoir un masque, par contre, c'est irrespirable là-haut. Ah, il y a des masques ici? Je sais pas. J'en ai pas. Oh putain, ah, vas-y. Je respirerai dans mon t-shirt. Ouais, allez, courage. Non, j'ai pas. Non, maman dit, je suis vraiment pas dedans là. La meuf qui a pris les gars, je l'ai pas dedans. Je suis pas dedans, c'est mon idée, mais quelle idée de merde! Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? 3 minutes. Courage. Non, j'ai pas du tout de courage. Mais genre, tu prends cette grosse lumière toi? Bah, il faut me filmer, je vais la mettre au loin et moi je vais m'asseoir en fait. Vas-y alors. Attends, et je vais relancer le compteur une fois. Non. Allez, vas-y. Non, ah, menti. J'ai vraiment pas envie. Allez, ça va le faire. Non, pas du tout. Il fait nuit en plus. Bah oui. Attends. Je sais pas si on verra grand chose d'ici, hein. C'est bon. Mais je vais faire quoi pendant 3 minutes? Ouais, merci. Je vais faire quoi pendant 3 minutes? C'est super long. Je trouve que 3 minutes, c'est long, bordel. Ah, en plus, c'est tout poussiéreux. Putain. J'ai l'impression d'être punie d'une façon horrible, en fait. Je vais faire le tour du grenier, c'est plus... Au moins, vous voyez, parce que vous, en fait, vous savez pas, là. Vous savez pas. Voilà. C'est très creepy, hein. Je suis venue de là. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Oh! C'est joli ça. My God. Dieu. C'est très creepy. Je me sens très seule. Qu'est-ce qui se passe? Amandine! Il y a un truc qui est tombé, Amandine! Il y a ça qui est tombé! Amandine! Il y a trop beau, c'est une horreur. Putain! Il y a ça qui est tombé, là. Ça y est! Amandine! Amandine, il y a un truc qui est tombé. Elle est où? Elle est où, Amandine? Elle est descendue? Il y a un truc qui est tombé. Je me sens seule au monde. Elle est où, cette pétasse?
Amandine! Où est-ce que t'es? Pourquoi tu t'es cachée toute seule? Je sais pas. Espèce de pouf! Amandine? Tu t'es cachée? Je ne sais pas. Je suis impressionnable. Comme je suis arrivée normale. Mais Amandine, tu viens comme une possédée. Ouais. Il y a un truc qui est tombé au grenier, je te dis. C'est pas vrai. Eh, mais j'ai entendu un bruit. Si, j'ai entendu qu'il y avait un bruit. Et je t'ai appelé. Ouais, j'ai entendu. J'étais là. En fait, je suis prêt. Là, j'ai dit, vous l'entendez? Je rigolais trop. J'ai fait Amandine. J'étais en train de marcher. Une espèce de planche de bois qui est tombée, je suis passée et en fait au début je restais assise et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire pendant 3 minutes, c'est long, c'est beaucoup trop long, 3 minutes ouais. et j'étais comme t'es pas bien très clairement et à un moment je me suis dit vas-y, mais eux en fait ils savent pas pourquoi c'est pas bien, pourquoi j'ai peur moi, ils voient pas le grenier, eux, j'étais ouais. dans le noir. Je me suis dit vas-y, je prends le téléphone, je vais vous montrer en vrai, ouais, tu c'est vois vrai. Je leur ai montré le petit cheval à bascule et tout, tu vois, j'ai commencé à me balader. Non, c'est flippant, et c'est dans vrai. Ma tête je me suis dit vas-y, c'est comme un urbex et tout, et je commence à regarder et je me sens mal quand je vais vers là-bas, tu vois, ouais. Et tout d'un coup paf, t'as une espèce de planche qui tombe et j'ai fait Amandine, j'ai entendu que tu bougeais en plus, ouais. Tu m'as entendu d'après? Ouais, je t'ai entendu, c'était trop drôle. Je me suis dit, oups. Non, je me suis pas sentie bien du tout. Hein. Je me suis sentie très seule. T'as eu bien quand même, parce que c'était le plus long en fait. Je me suis ouais, c'était le plus long. Bah, en fait, la chaufferie, j'ai mis 2 minutes parce que j'ai pensé, je me suis dit, c'est très restreint comme endroit. En fait, c'est chaud. Fallait pas qu'il y ait de la claustrophobie, tu vois. Ouais. Alors que comme c'est grand, j'ai mis 3 minutes pour le grenier, ouais, tu ouais. vois. Ouais. Mais j'ai envie de regarder la vidéo, j'ai hâte parce que là, je comprends pas pourquoi le truc est tombé. J'ai trop peur, je me sens pas bien. Ça fait peur quand même. Vas-y, on redescend. On va y crever. J'en peux déjà plus, c'est parti. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Y a pas Alix, si tu l'as trouvé, il a les gages cool, hein. Ah, c'est à toi de chercher en plus, hein. Putain, non, j'ai pas envie de chercher toute seule. J'en ai marre. J'ai l'impression, Alix, il fait que s'amuser. Nous, on est dans la punition constante, là. Non, mais c'est vrai. Hein. Nous, on fait que chercher d'avoir des gages. Lui, il a pas encore cherché, hein. Ouais. Putain. De retour dans la magnifique petite salle de bain. J'ai l'impression d'être constamment punie avec Amandine, comme je vous l'ai dit avant. C'est incroyable. Je sais pas. On a une espèce de malchance comme ça. Alix, mais pas du tout en fait. Hein. Alix, clairement, lui, il se contente de se cacher, de faire peur aux gens. Il est pas du tout dans le. Il manquerait plus que cet enfoiré, je le trouve maintenant, et qu'il fasse un super gage, genre drôle, que j'avais trop envie d'avoir. Et que, putain. Mais de toute façon, en fait, maintenant, je me dis, le pire, il est fait. Mais en fait, le problème, c'est qu'on remet. On remet les feuilles dans le truc, ça veut dire que si je me fais retrouver, ou Amandine, genre on peut retomber sur le gage en fait. Oh, mais quelle mauvaise idée d'avoir fait ça, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est horrible, c'est horrible. Mais j'espère que vous vous amusez bien, je ne vous cache pas que moi, actuellement, on est un peu dans la transpirance, on est un petit peu dans, voilà, dans le stress, c'est... Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Le pire, c'est que, ouais, mais genre... C'est flippant en vrai, genre... En fait, je pense que vraiment, si j'aurais pas eu la PVE de hier, genre, j'aurais vraiment pas flippé autant que ce soir, mais là, j'ai peur parce que je sais que si maintenant, il y a des personnes autour de nous qui nous regardent jouer à ce jeu, ils sont peut-être en train de se dire, mais il y a des gens qui cherchent à avoir peur, là. Et quand, ça se trouve, j'étais dans le grenier, il y a quelque chose qui a fait tomber... Quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. Par amusement, peut-être, je ne sais pas, je sais pas. J'en peux plus. Je suis déjà à bout, on a fait combien de tours, là? C'est pas du tout fini. Ça fait 2 minutes, hein! Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! J'arrive! J'ai papoté un petit peu, hein, avec nos chers abonnés, donc du coup, vous avez gratté un peu du temps, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, y a-t-il un... C'est ouvert là? Bah, c'était resté ouvert d'avant, alors... Putain, c'est compliqué de chercher en même temps. Alors, j'ai plus perdu de toi. Ok, donc je pense que dans cette pièce, il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas 15 milliards de cachettes non plus. Hello, j'arrive. Je suis vraiment aveuglée, là, avec cette... Non, bah, je crois pas. En fait, j'ai l'impression de devoir regarder dans le téléphone, finalement, pour chercher, sinon je vois pas bien. Hey, y a-t-il quelqu'un ici? Alix? Je suis dans...
Aïe. Je monte vous voir. Je suis mal cachée, je vous avoue, je suis mal cachée. Amandine. Amandine Malabule. Je suis mal cachée, je suis mal cachée. Est-ce que tu es là? Alix, franchement, c'est quoi cette cachette? Franchement, genre... Je m'en prenais tout de suite, hein. Non, je t'ai pas vu tout de suite. T'es con. Amandine Malabule. Parce que faire ça et filmer en même temps, ça me paraît un peu compliqué. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Hein. Y a pas des milliards de cachettes dans cette pièce? Là en dessous, tu peux... Je sais pas, me faire un soulevé de drap général. Amandine, où es-tu? Vraiment? T'es sérieuse? Mais tu sais que l'espace d'une seconde, j'ai eu un. Parce que je me suis dit, putain de merde, il y a une ombre. Mais en vrai, je me suis dit, elle va pas se cacher là. Mais ça non. Et je me suis dit, pas que je vais me trouver en première de nouveau. Mais non. Et après, t'as trouvé Alix. Oh, je suis contente d'avoir trouvé. Par contre, si cet enfoiré, il a un super gage, j'aurais trop les nerfs. Putain. Il va avoir un truc drôle, tu vas voir. Eh, hey, mais ça veut dire que de Pierrot, j'étais seule en bas carrément. Ouais. Je suis restée longtemps dans la pièce, ouais, Amandine. Ouais. En bas là. Je croyais trop que t'étais là-dedans, moi. Je suis restée trop dans cette pièce longtemps toute seule, en fait. Hein. C'est vrai. Ah, je déteste chercher, j'en ai marre. Ça me saoule! Bon, allez, tire! C'est à ton Tiens. Tour! À toi de lire! Je vais lire son gage. Ah! 3 minutes seule à jouer du piano dans la pièce dans le noir. Allez, à jouer du piano dans la pièce dans le noir! Je vous réexplique juste que c'est justement dans cette pièce qu'à mon dernier moment on a eu un PVE. Ouais, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de mettre ce truc parce que ça nous faisait un petit peu peur de rester là. Et du coup, en fait, j'avais chatouillé. Quelques petites notes de piano. Et voilà, peut-être que ça va réveiller quelque chose, je ne sais pas. C'est parti, Alix. Allez, ça me laisse un bon gage. À toutes. Et tu regardes l'heure, hein? Avant tout, tu regardes l'heure? C'est combien? 3 minutes? Ouais, 3 minutes. Tu lances le décompte? 5 secondes, attends. Allez. Bon, allez, viens. On va là, nous. Il peut faire de temps en temps, tu vois. Moi, j'ai pas fait de musique. En vrai. Il est en train de se faire. Tu vois. Génial. Génial. Incredible. C'était super drôle. Super. Allez, viens.
C'est parti. Bon, allez, on continue. C'est lui qui va nous chercher, du coup. Ouais. Moi, je vous le dis, je vais me faire niquer. Vraiment, je vais me faire niquer. Ne faites plus un bruit, ne faites plus un bruit, j'écoute tout et si vous respirez trop fort, je vous entendrai. Toc toc, Alix. J'ai entendu des petits toc toc. Est-ce qu'elle est là-haut ou est-ce qu'elle est en bas? J'ai entendu un toc toc en tout cas. Ah, c'est vers la porte d'entrée ou quoi? T'es sûr qu'elle était pas derrière le rideau? Ah, saleté, non, elle était pas là. Elle est ici, c'est sûr. Hey ah, c'est l'endroit où je ah, tu devais être trop chouette. J'ai mal au cul. Ah, moi j'étais trop mal poussée. J'étais sous le piano, il est passé moins 10 fois à côté de moi. J'ai trop peur. Poussière. Ah, mon dieu. Mon air bloqué. Ah, t'es allé au grenier? Oh mon dieu, il est même allé au grenier. Ah, mon air bloqué, t'as mis tellement de temps à me trouver. Ah, on a mis du temps, hein. Ta voix faisait trop peur, hein. À un moment donné j'ai arrêté de respirer, t'étais là, j'essaie vous êtes là, j'ai... et j'étais comme ça en train d'essayer de me retenir, tu vois, c'est une horreur. L'audace, ouais. L'audace, ouais. Tu te caches dans un endroit pourri, on te trouve pas.
Ouais. Ouais, j'avais pensé ça pouvait faire une cachette aussi. Ça faisait... Ouais, moi j'y ai pensé, mais c'est trop bidon, arrête, tu vois. Franchement. Tu vois l'audace. Bah, moi j'étais juste sur le piano, hein, K.O. Hein. Il avait juste à faire comme ça. Hein. Putain, il est passé au moins 2-3 fois en plus. Ouais, après, il est passé 10 fois, même moi. Allez, c'est l'heure du gage. C'est moi qui me suis fait choper comme d'hab. J'en ai qu'un là. Je te le lis pas. Non, mais je vais voir si j'en avais qu'un seul. Devine. Je sais pas. Devine. Les flèches. Et non. Quoi? Le tapis? Le truc? Et non. Quoi? C'est quoi? 3 minutes toute seule l'ingrédient. Non. Mais je croyais qu'on devait l'enlever celui-là. Sale culasse. C'est pour quoi? Et j'ai fait deux trucs horribles. Ouais. En plus maintenant t'es au courant que moi il y a un truc qui est tombé avant. Ah, t'es une tétasse. C'est parti, on l'emmène. Ah, je suis tellement contente de pas être là sur la vie. C'est horrible. Voilà, on accompagne Amandine. C'est parti. Forcément, forcément. Voilà, on l'accompagne. Allez, donc j'ai perdu mon gage. Enfin, pardon, je dois faire. Ouais, voilà. T'as perdu la partie. 3 minutes dans un foutu grenier. Ah, comme si la chaufferie n'était pas suffisante. Oh putain. Non, je suis pas tombée sur un truc génial, quoi. Je suis pas tombée sur un matelas qui tombe dans les escaliers, par exemple. Ouais, putain, on l'aura pas eu, celui-là. Ouais. Merde. Chiotte. Ton rêve d'enfance, on peut pas le faire. On peut le faire. Ah, merde. Aïe. Mon Dieu. Je te regarde partir, mon Dieu, non. Je te regarde partir. Il est où, Alix? Bah, Alix, t'es où? Il est resté en bas? Mais réponds! Je me suis mis comme ça vous pouvez non seulement voir un peu ce qu'il y a dans ce grenier. Voilà, c'est une horreur, franchement. C'est vraiment une horreur, c'est horrible. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais rester ici, voilà. Non mais Alix, c'est là. Ah, t'es moche. Je suis sûre t'es montée, Alix. Ah, je te vois, c'est mort. T'es un sale connard. C'est un sale connard. Mais c'est pas drôle, t'as pas peur là, t'es pas seule. Oui, ouais. Ah, Alix, j'ai eu peur pendant 5 secondes. Allez, on rajoute 5 secondes de plus à mon compteur. Comme si ça faisait déjà pas assez peur comme ça. Il y a beaucoup de poussière ici. C'est vraiment un grenier très flippant, franchement, je veux pas dire. Qui veut jouer avec? Enfin voilà, c'est vraiment des trucs de grenier, quoi. Des trucs qui font plus ou moins flipper. J'ai peur! Les gens, ils vont croire que je suis enfermée, tu sais. Oh mon Dieu, Julia! J'aime pas, j'ai l'impression d'avoir vu des orbes. Ah, le tapis comme ça, là, en plus. Ah, j'aime pas du tout ce genre de choses. Les greniers, je crois que c'est les pires trucs de toute ma vie. Je suis quasiment à 3 minutes, là. Non? Ça y est, j'ai fini là. Okay. Allez, je descends. La flippe. Ah, la flippe, non, mais... On sent qu'il y a un truc.
tout seul là-haut, c'est... T'avais une grande lumière ou quoi? Non, non, je vais la mettre là, t'inquiète. Ah. C'est une horreur. Alors, ça fait peur. Il n'y a rien eu? Non, il n'y a rien eu, mais c'est assez flippant, ouais. Et ben voilà, ça y est, la vidéo est terminée. Oh, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en sueur. Ouais, c'est... nous on est des... Ouais. On est les poisseuses, nous on s'est pris les trucs les plus horribles. Alice, on est bien tirés, je trouve, quand même. Comme d'hab, hein. Ouais, c'est clair. Et ben j'espère que ça vous aura diverti, hein. Nous, comme d'habitude, ça nous aura fait frissonner. Et voilà. Yes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, ouais, de voilà. commenter. D'apporter un peu d'amour et de soutien à cette chaîne, à ces chaînes, voilà. C'est très important. Exactement. Et ça fait plaisir. Oui. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Bye.